La rencontre a porté essentiellement sur le compte-rendu des activités menées récemment à l'Assemblée nationale. La restitution de la synthèse des dix travaux a été faite par le député suppléant, l'honorable Angali. Projet de loi de finances rectificative pour l'année 2021. Le budget de l'État réajusté au titre de l'exercice 2021 est arrêté en recette à la somme de 1 671 635 000 000 de francs CEPA. Et en dépenses à la somme de 1 521 015 000 000 de francs CFA. Affaire numéro 13, s'ayant des questions orales au gouvernement, notre député, l'honorable Bissouta, a interpellé le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique sur les pénalités et les droits à la consommation annexés à la facturation ainsi que l'uniformisation des forfaits au même tarif sur toute l'étendue du territoire national. Prenant la parole à son tour, en premier lieu, l'honorable Devic Bissouta a félicité les populations de Lumumba 2 pour leur implication sans faille dans la tenue réussie de l'élection présidentielle de mars dernier qui a plébiscité à un fort pourcentage Denis Sassou Nguesso à la tête du pays avant de revenir sur le projet de loi rectificative du budget de l'État. Cet excédent budgétaire, comme vous l'avez constaté, contribuera à résorber le déficit en ressources de financement qui est de 582 860 000 000 de francs CFA. Nous, parlementaires ici présents, nous encourageons le gouvernement à poursuivre les négociations avec le FMI afin d'aboutir à des accords permettant à l'État de bénéficier de plusieurs facilités pour couvrir les besoins en trésorerie. La descente parlementaire étant le cadre légal d'échange, la parole a été donnée à un échantillon des populations de Lumumba 2. Monsieur l'honorable, nous vivons depuis plusieurs années le phénomène de la pollution causée par la société chinoise dénommée Sycophore. La venue à Nairobi, donc lorsque je prends la zone du stade EPD, nous constatons que ça devient un foyer des civils. L'honorable Devic Bissouta a pris acte de toutes ses préoccupations qui l'ont en mettre sur la table de l'Assemblée nationale et du gouvernement dans le but de trouver les solutions satisfaisantes.